ça le sert dans la vie. Là, c'est le deuxième. Là, il me sert coiffé. Pour ce troisième week-end, nous fêtons aujourd'hui la Saint-Hubert. C'est une journée un peu spéciale. Alors, on peut tirer les sangliers et les chevreuils ici à Arc, dans la battue, à moins de 40 mètres, en tir fichant, quand le trac n'est pas là. Il faut au moins qu'il y ait une coupe d'intervalle entre vous et les traqueurs. Alors, la chasse, c'est pas non plus que ferrailler, tirer et s'en aller après chez soi. C'est si vous avez les capacités physiques d'aller à la recherche au sang, c'est très bien. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est conseillé. Et moi, j'aime bien les gens qui vont au bout des choses. Et la chasse, c'est ça aussi. Et on est toujours content de retrouver un animal qu'on a tiré et qu'on n'était pas sûr. Dans tous les cas, on balise aussi tous les grands animaux. Même ce qui paraît loupé, on en retrouve toutes les semaines derrière, à 100, 200 ou 500 mètres derrière les lignes. Donc, balisez les chefs de ligne, faites un contrôle, prenez le temps de prendre les pieds des animaux. On prend son temps et ça se passera bien. Alors nous chassons ici depuis 1980 dans la joie, la félicité et surtout la sécurité. Je vous demande à tous de refuser tout tir hasardeux. Nos armes sont redoutables. Passez une bonne matinée, soyez prudents. C'est le meilleur poste pour voir les animaux. Mais j'ai tué un grombal déjà. On est là donc. Les grosses coupes sales sont ici. Il y a des coupes sales là-bas au bout. Ça vient souvent se regazer là-dedans et ça repart. Je n'aurais pas tiré non plus. C'est une petite tête de nez quand même. Et puis, je te dis, quand t'as passé, j'ai pas vu de même. Ouais. Pas énorme, mais une lait quand même. Tiens, chevreuil.
Sanglier à droite. Ouais, t'es tout petit. J'étais pas gros. Il était pas très gros. Si, ça, c'est un PSU. Il va le tirer. Il va le tirer. Bravo! Il était blessé? Il était blessé. Cet après-midi. Là, nous sommes garés ici. Elle va démarrer tout là-haut. Et elle va faire comme ça, sûrement des allers-retours là, et finir sur nous. Nous sommes sur cette ligne blanche et deux tireurs qui sont postés là. J'attends qu'il arrive, le deuxième. Et pas de tir à gauche en haut parce qu'on est là. Donc il faut vraiment décaler. Ouais, tu te mets là, tu choisis. Ouais. Le prochain il sera en haut. Tu vas pas le voir parce que ça rentre un peu comme ça. Donc dès que c'est, tu vois le piqué, dès que c'est passé le piqué au milieu du chemin, tu peux tirer. C'est bon. L'autre chemin, il est, l'autre posté, il est dans cet axe-là. D'accord. Ok. Choisis bien ton poste. Ça marche, merci. On va se mettre ici. On va se mettre par ici.
Moi, je suis pas trop pour les blazers avec les réarmements binaires. Je trouve pas ça assez sportif. C'est pour les gros tireurs. Si tu places bien ta balle, c'est très bien. Attention. Il est bon. Bon, bah, PSU. C'est le deuxième cerf que je tire à Arc-en-Barrois. La deuxième cervidée. Il est arrivé bien entre mon voisin et moi. Il saute, j'attends bien qu'il soit dans mon angle. Moi, a priori, je pense que je lui mets une balle au niveau de l'épaule. Il a pas fait un pli. Du cerf qui lève. Il lève du cerf, les tirs ont été faits sur du cerf. Devant une grande patte. Celui qui a été annoncé, probablement. Je peux pas tirer langue. J'ai pas eu le temps d'identifier avec le mal. Entre 45 et 50. T'as vu le voisin tire pas, je pense qu'il a plus langue. Non, il a le dos tourné, il l'a pas vu. Ouais, il l'a entendu quand même. Ah, je suis pas sûr. Thank you.
Il y a un cerf de mort. On cogne pas Benoît. Hein. C'est interdit ici le cerf. Le poste là, on avait dit de tirer pas les cerfs. Il va te dire. Il devait être blessé, j'ai tiré de balle dessus tout à l'heure. J'avais doucement, non. Bravo. Félicitations. Comment? Ils étaient trois. Il y avait un beau et deux. Tu en as tué qu'un? Ouais, bah... j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Bravo. Bravo. Moi, tu l'as tué, c'est déjà ça. Bibi, je vais pas gueuler. Battu terminé. Battu terminé. Et on va aller voir ce que t'as fait. Je suis, on est pas... Battu terminé. Battu terminé. Il est pas mort. Sirène, viens là. Ouais, bah écoute, on termine le week-end en beauté. Mon deuxième cerf, bien identifié, bien tiré. Il est tombé net. Bah, tu m'as porté chance, faudra que tu reviennes plus souvent. Et bah, par rapport à mon sanglier, bah, je trouve pas d'indice probant, mais j'ai quand même l'impression d'être dedans, donc on va faire une recherche demain matin. Ce sera mieux, on ira au bout des choses. Chasseurs, et bien sûr, vous tous ici présents, pour fêter notre belle fête de Saint-Hubert, fête bien sûr des chasseurs, mais surtout fête de la nature et fête de notre territoire. Donc je prends la parole en tant que président d'Arc Saint-Hubert, et je tiens déjà, avant de passer la parole à mon ami Antoine, qui va vous présenter le tableau de chasse de ce matin, accompagné bien sûr de nos amis depuis très longtemps maintenant, que je vous demande d'applaudir. Sarmozelle. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je suis honoré de vous présenter ce joli tableau réalisé par notre équipe aujourd'hui. Nous fêtons la Saint-Hubert et c'est toujours un moment particulier pour nous chasseurs, mais aussi pour les amoureux de la nature. Le saint patron des chasseurs nous a gâtés aujourd'hui et je vous laisse admirer la diversité des espèces prélevées dans notre belle forêt d'Arc-en-Barrois. Aujourd'hui, nous avons donc prélevé 14 sangliers, un brocard, deux faons, deux cerfs et une bécasse. Nous allons rendre les hommages au gibier, preuve de notre respect. Vive la chasse, la belle, la vraie, celle que nous pratiquons avec passion et raison, et qu'elle puisse perdurer.
vous dire que c'est un vrai plaisir d'être à la Saint-Hubert, évidemment, c'est la fête de la chasse. Je vais vous parler un peu de Saint-Hubert, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de non-chasseurs. Saint-Hubert est un mécréant. Nous autres chasseurs en sommes sourds. C'est un mécréant qui vit dans les années 650 à 727, je crois, de mémoire. Il meurt d'un bête accident, d'ailleurs. Et ce mécréant, au lieu de faire comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire ses devoirs religieux et ses prières, chasse jour et nuit. Voilà. Il se trouve qu'un jour de Vendredi Saint, il est à la chasse et il poursuit un cerf avec ses chiens. Et évidemment, comme c'est trop pour le bon Dieu, au bout d'un moment, il l'interpelle et Saint-Hubert voit apparaître une croix divine entre les bois du cerf. Instantanément, il se met à genoux et se repent. Et sur cet entrefait, il arrêtera de chasser. Aux chasseurs, je dirais simplement que je me demande pourquoi nous avons choisi comme patron quelqu'un qui a arrêté de chasser. Il faudra un jour qu'on arrive à résoudre cette énigme. Je vous raconte ça en fait en souriant, tout simplement pour vous dire que nous sommes évidemment très attachés aux traditions, pas par attachement aux traditions, mais simplement parce que le fruit de la chasse, et je voudrais remercier encore l'équipe d'Antoine Goutte qui a aujourd'hui œuvré une fois de plus pour ce merveilleux tableau, le fruit de la chasse qui est sous vos yeux participe d'un équilibre. Tu as parlé, Philippe, d'équilibre agro-silvo-synergétique. Nous sommes très attachés à être des acteurs de l'équilibre de la nature. Voilà. Et ça, c'est très important à comprendre pour le grand public. Le chasseur vit au milieu de cette nature, participe de l'équilibre de la nature. Et puis, comme c'est plus facile d'en parler aujourd'hui puisque les mentalités ont évolué, vous pourrez découvrir ce qu'est un circuit très très court et très très bio, puisque vous avez sous le chapiteau possibilité d'acheter de la viande de gibier. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vous embêterai pas plus, je vous souhaite une très bonne soirée.